Bonjour citoyens d'Escoville. Le soleil se lève sur la plus belle journée de l'été. Le favori remportera-t-il la course pour la cinquième fois consécutive? Il est beau le favori. Pour le savoir, rendez-vous à 14h précise dans le champ du Vieux Jeannot. C'est entièrement gratuit. Venez nombreuses et nombreux. Mais non, il est à la chasse, je te le dis. Putain, j'ai cru que c'était ton âme. Tu reviens ici, je te troue la gueule, fou de garce. Moi, je t'ai marre, Salah, je vais te cramer, toi et toute ta famille. Hey, j'ai tout vu, hein. C'est pas de bouillabaisse avec son voisin, hein. C'est pas ce que tu crois. Ça m'a fait l'envers ou quoi? C'est pas l'envers à moi, hein. J'ai tout vu. Ouais, hier, en plus d'être voleur. Écoute, on va faire à dire. T'as plus le compte la baisse. D'accord ou pas? Même si c'était la première fois de t'en voler. Si c'est la première fois que tu l'as bouillabaisse. Et la course cet après-midi. La poule contre la baise. Il est arrivé, est-ce qu'il est là encore? On est passé chez Gilou hier soir pour l'apéro. Ils ont commencé à parler de l'évolution du bétail dans le pays. Un moment, j'en pouvais plus.
je me suis endormie. À 6h, t'as Gilou qui me réveille. Je pouvais pas faire une phrase de correct. Ah bah tu m'étonnes, 3 bouteilles de calva qui sont mises, c'est des débiles. Je l'ai ramené en brouette, depuis j'ai tout essayé. L'eau froide, l'eau chaude, le café, même un coup de jus dans la multiprise de la cuisine. J'ai gueulé comme pas possible, rien ne fait. Il a pas clamsé quand même. Si seulement. Mais non, il me laisse quand même un petit message toutes les demi-heures. Tiens bah attends, t'as de la chance, ça va arriver. Moi, je te vois, Marie! La vache! Bah, au moins, il est régulier. T'as essayé la mixture de la mamigène? C'est ce que je suis en train de préparer, là. Faut bien faire macérer les chardons dans l'huile de vidange, c'est ça, je me trompe pas? Ouais, enfin, fais gaffe avec ça, quand même. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tiens, puis en parlant de ça, il avait pas terminé sur son moteur, cet abruti. La course est dans 2 heures, c'est bien. Je peux t'aider avec ça, si tu veux. Bah, ouais, je suis con. Tu t'y connais, toi? Alors d'après ce que j'ai compris, c'est la courroie qui a besoin de... Ou la bougie, je sais plus. Oh là, je vais voir. Alors entre ça, le linge, les neveux, la mixture... Je suis dans la merde, moi, ce matin. Puis pour refoutre une couche, avec toutes les pièces de tracteur qui traînent, il y a les manouches qui rôdent depuis tout à l'heure. Regarde là-bas, il y en a un qui nous mate. Oh bah attends. Ses épreuves favorites. Attaque! Attaque le manouche! Thank you.
Tous les concurrents sont prêts, les derniers réglages sont terminés. La 12e édition de la course annuelle des tracteurs d'Escoville démarre dans quelques dizaines de minutes. Venez assister à la parade sur la place principale. Et pour débuter cette parade, accueillons le pilote numéro 2 et son tracteur gonflé au V6 Ferguson. C'est parti pour le numéro 2. Ensuite, le concurrent numéro 3 et son tracteur spécialement préparé à l'aide de pièces récupérées de la Royal Air Force. Un maximum de bruit pour le number 3! Pour finir, le tracteur numéro 4 piloté par les frères gitans, ces voleurs d'animaux. Un tracteur sûrement emprunté. Faites du bruit pour les numéro 4. Bienvenue à la course de tracteur la plus réputée du pays. Les quatre concurrents vont maintenant s'aligner pour vous sur le départ. Nous avons un challenger inconnu supplémentaire. Favori semble s'être arrêté de façon inexplicable. Ah, notre compère gitan semble avoir mal négocié son virage. Et je vous rappelle que le gagnant de cette course reçoit ce magnifique téléviseur.
Ok, je vais avoir besoin de délibérer à l'écart si tous les concurrents veulent bien me rejoindre. Bon déjà, qu'est-ce que... Tu te fous de ma gueule? Comment ça, les enclos sont verts? T'avais gagné 2 poulets ce matin, tu devais les surveiller. Qu'est-ce que t'as encore foutu, branle-la-couette? Mais je te compte ta daronne. Mais ma daronne, c'est ta daronne, Morée. Et toi? Ça fait 2 mois qu'ils bouillavent ta femme. Et il a buté ta vache ce matin.